Toutefois, Jésus résista à ses avances grâce à la force de l'Esprit de Dieu qui résidait en lui. Pendant toute célébration, pendant que nous méditions sous thème premier dimanche carême qui dit « C'est pour nous suivre Christ là, on nous demande bon Dieu pour lui donner nos forces pour résister devant pièges malins malgré tant difficile que nous vivions. » Frères et sœurs bien-aimés, prière de vous lever pour accueillir le célébrant en chantant avec la chorale. Bonjour. Comment nous y est? Très bien. Nous sommes avec Jésus. Nous vivons un gros temps fort dans l'église là. C'est le temps de carême. C'est vrai, nous sommes mercredi décembre. Nous sommes nous chaque, nous tous, gardons les gens qui sont à côté là pour capable souhaiter le bon temps de carême. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, bon temps de carême. Nous rassembler au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous entrer. Dans un combat spirituel. Depuis mercredi décembre, nous entrons dans le désert avec Jésus pour nous capables de vivre 40 jours. 40 jours de prière, 40 jours d'aumône, 40 jours de jeûne. Eh bien, frère Marc Semieux, c'est un moment privilégié que nous gagnons pour nous capables de préparer nous, que nous pour nous capables fait passage là pour nous passer dans ténèbres à la lumière, pour nous passer dans péché à la grâce, pour nous passer dans la haine à l'amour. Voilà, nous faisons ce processus à travers le temps de carême. Préparons nos cœurs à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, mes frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui corresponde à la tienne. Nous te le demandons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Par le péché de nos premiers parents, l'homme a fait choix de se séparer de son Créateur. Écoutons ce récit du livre de la Genèse au chapitre 2, les versets 7 à 9, puis le chapitre 3, les versets 1 à 7. Grand maître bon Dieu, formez mouna ak la bouteille. Li souffle yon souffle la vie nan fas li. Moun nan vin toune yon nanm ki vivant. Grand maître bon Dieu plante yon paradis plaisir depi nan commencement. Li mette moun nan li te formé a la dan lan. Ak te ouze a, grand maître bon Dieu fait toute qualité pied bois poussé. Ki belle pour garder. Qui douce pour manger. Pied bois la vie, tout est dans mi-temps paradis, ak pied bois, science bien ak mal. Mais, koulev la, c'était pirizez dans tout bête yo sous terre. Sa grand maître bon Dieu te fait. Li dit madame nan. Pour qui ça bon Dieu passe nous l'ordre? Pour nous pas manger dans aucun pied bois paradis. Madame nan répond. Nan fruit pied bois yo qui nan paradis, nous ge doit manger. Mais nan fruit pied bois qui nan mitan paradis, pour te passer nous l'ordre pour nous pas manger là-dedans. Pour nous pas même toucher.
Autrement, nous capables mourir. Vous lève la même dit madame non. C'est pas vrai du tout. Nous pas mourir aucun. C'est parce que bon Dieu connaît jour n'a manger là dans non. Je nous a l'ouvrir. N'a vinn tant coup Dieu. Yo qui connaît ni bien ni mal. Madame Nawé qui Jean pied bois était bon pour manger. Il était belle pour jouer. Asphel était bail plaisir. Li prend en fuil, li manger. Li bail Marie la tout qui manger. J'ai tous les deux vinn l'ouvrir. Les yo reconnaître, yo té Nico, yo coup de fait fig France. Yo fait rade pour passer dans taille. Ça c'est parole grand maître. Je connais mon péché.
Dans l'être, apôtre Paul écrit pour Roméo, il fait comprendre que même Jean yon seul faute la cause condamnation nous toutes, c'est même Jean tout yon seul zève justice qu'a ben nous toutes la vie. En écoutez mon sous parole ça dans chapitre 5 verset 12 rive dans verset 19. Frère, par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes du fait que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde. Certes, on dit que le péché ne peut être sanctionné quand il n'y a pas de loi, mais pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a régné, même sur ceux qui n'avaient pas péché par désobéissance à la manière d'Adam. Or, Adam préfigurait celui qui devait venir. Mais le don gratuit de Dieu et la faute n'ont pas la même mesure. En effet, si la mort a frappé la multitude des hommes par la faute d'un seul, combien la grâce de Dieu a-t-elle comblé la multitude? Cette grâce qui est donnée à un seul homme, Jésus-Christ. Le don de Dieu et les conséquences du péché d'un seul n'ont pas la même mesure non plus. D'une part, en effet, par la faute d'un seul, le jugement a conduit à la condamnation. D'autre part, pour une multitude de fautes, le don gratuit de Dieu conduit à la justification. En effet, si à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul homme, la mort a régné, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent la plénitude? Le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit à toutes les condamnations des hommes, de même, l'accomplissement de la justice par un seul a conduit les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que tous sont devenus pécheurs parce qu'un seul homme a désobéi, de même, tous deviendront justes parce qu'un seul homme a obéi. Parole du Seigneur. Bon Dieu, grand maître là avec nous tous. Même bonne nouvelle, Jésus-Christ d'après Matthieu qui saint. Chapitre 4, 11 premier verset. Le ça. L'esprit a conduit Jésus dans sa vanne pour diable a essayer. Après le fin fait jeûne pendant 40 jours à 40 nuits, les vins grand goût. Si là cap essayer approcher les dil. Si vous c'est petit bon Dieu, dit pour ça yo vin tourner pain. Il répond les dit mais ça qui est écrit, c'est pas avec pain seulement mon vivre, mais avec toute parole qui sortit dans la bouche de bon Dieu.
Après ça, diable prend les remporter dans la ville qui saignant. Les poser en l'air, tête caille sacrée, les dit. C'est petit bon Dieu, oui, la corps en bas. C'est que, mais ça qui écrit, les passer messager li l'ordre dans au sujet pour yo porter sous main, pour pas risquer frapper pied dans le champ. Jésus dit, mais ça qui écrit tout, ou pas essayer grand maître bon Dieu là. Après ça encore, diable prend l'hypothèse sur un monde qui ou en pile. Li montre tout rente ya ak richesse yo, le dit. Tout bagay sa yo, ma ba ou yo, si ou tombe à terre ou adorim. Le sa a tort, Jésus dit, al fè ou tout Satan. C'est que mais ça qui écrit, c'est grand maître bon Dieu là pour adorer, c'est lui-même seul là pour servir. Le ça a tort, diable a quitté et puis messager yo proche yo servil. Avec Samio, notre fois encore, bonjour. Eh bien, depuis mercredi décembre, nous entrons dans un temps fort dans l'église là. C'est qui temps nous entrons la donne, c'est temps. Qui ça? Carême n'a pas dit. Je connais. Alors, mot carême na 40, voilà une bonne réponse. Mot carême na sotina deux mots. 40 ou du moins quadragésima qui veut dire 40. Eh bien, c'est une période de 40 jours. Côté n'a pas rappelé un paquet d'événements qui étaient passés non seulement dans la vie avec messager bon Dieu, mais qui t'est passé tout dans l'histoire Israël ensemble avec bon Dieu, rivé juste dans Jésus. Mais 40 ça, il rappelait plusieurs 40 rivés dans la Bible. Il rappelait 40 jours de déluge. Il rappelait nous 40 jours que Élie t'est passé dans mon Horeb là. Il rappelait encore 40 ans. Peuple Israël là t'est passé dans le désert là. Il rappelez-nous encore 40 jours. Jésus lui-même était entré dans le désert. Même avant ça tout, il rappelez-nous 40 jours de conversion de Ninive. Ça veut dire c'est un temps, une période de temps nous gagnons pour nous capables de renouveler, nous pour nous capables de préparer nous, pour nous capables de vivre bel événement temps pascal. Eh bien, bel temps ça, chita sous trois piliers. C'est la prière, l'aumône, le jeûne. Nous dit tout, c'est le temps du pardon, c'est le temps de la pénitence, c'est le temps de la réconciliation. Voilà. C'est-à-dire, c'est un temps privilégié que l'Église l'a à nous pour nous capables de préparer que nous, pour nous capables de vivre bel événement fête pascal, pour nous capables de faire passage. Non, premier dimanche, tant carême, non, frère Maxime, yo, nous sommes capables de nous confronter à trois réalités. La voir,
le savoir, le pouvoir, toi belle bagaille, mais qui souvent fait nous tomber dans le péché, qui fait souvent nous prendre en tentation. Eh bien, nous sommes capables de dire, premier parent nous, Adam et Ève, avides de connaissance du bien et du mal, pral tomber dans le piège tentateur, parce que vous voulez yeux l'ouvrir, vous voulez connaître toute bagaille. Eh bien, Adam et Ève pral tomber. Jésus, beaucoup de parle, l'œil fin baptisé, l'esprit après le pousser pour aller dans le désert. Et l'œil fin passé 40 jours, 40 nuits après la prière. Diable a connaît, et bien après 40 jours, 40 nuits, il est capable de venir faible physiquement. Il vient essayer. Et bien, frère Maxime, ça fait nous que ce n'est pas nous-mêmes seuls qui vivent des tentations. C'est chaque jour dans la vie, nous, comme chrétiens, comme chrétiennes, nous vivons des tentations. Mais nous sommes toujours rassurés parce que Jésus avec nous, il est bon côté nous, pour être capable d'aider nous vivre le moment désert qui vient dans la vie. Eh bien, nous disons, nous entrer dans le désert là, lundi désert là, c'est parce que c'est un côté qui n'a pas de vie. C'est un côté qui n'a pas de végétation. Eh bien, dans la vie, nous, tous, frère Maxime, nous vivons des moments de désert. Côté nous pas ouais en haut, pas ouais en bas, côté nous pas capable vivre vraiment l'espérance non, mais l'un a vivre moment ça yo, c'est pour nous capable garder sous Jésus qui t'est passé 40 jours de combat spirituel, de prière, de jeûne pour nous capable entrer dans nous-mêmes pour connaître lui-même l'accompagner dans le désert nous yo. Bien je dis à frère Maxime yo liturgie mettez en face péché premier parent nous yo. Adam ensemble avec Ève, eh bien, premier péché, du moins ce péché originel là, c'est désobéissance. Les hommes ayant l'ordre direct qui sortit dans bon Dieu. Il dit pas faire ça, pas goûter fruit, pied, bois ça. Eh bien, le Adam avec Ève refusé, frère Maxime, c'est un refus catégorique de dépendance à Dieu. C'est comme si on dit on pas voulait dépendre de bon Dieu encore. Il s'agit aussi de la volonté de puissance, mais c'est désir que nous gagnons en pile foi, pour nous capables de connaître toute bagaille, pour nous capables de contrôler toute bagaille. Eh bien, bon Dieu crée nous libres, avec liberté, nous avec libre arbitre. Mais façon nous gérer liberté, bon Dieu, ben nous, en frère Maxime, qu'on entrave état, bon Dieu crée nous. Nous sommes d'abord créés dans un état de grâce. La grâce est plus originelle que le péché. Souvent, nous parlons de péché originel, mais la grâce est plus originelle que le péché. Nous avons été créés dans un état de grâce, justement à cause de refus, de dépendance à bon Dieu, nous vîmes perdus et tassam de créer la danna. Eh bien, frère Maxime, je souvent dit en français, qui tue un homme, c'est un homicide. Qui tue son frère, c'est fratricide. Mais on dit tout, moun qui décide à les tuer bon Dieu. Qui tue Dieu décide. Eh bien, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas capables de décider, mais qui genre nous oriente les décisions. Le Adam et Ève décidé, choisi, une voie qui est contraire à la voie que bon Dieu a tracée pour eux. Ils ont décidé de capable de tuer bon Dieu. Eh bien, péché a fait nous défigurer, fait nous perdre grâce, bon Dieu, mettez dans nous. Et fait nous oublier souvent qu'il est noyé, petit bon Dieu, habité par la grâce. Yon piège jeté près la donne, c'est ruse du tentateur. Eh bien, il dit au Ronza, vous serez comme des dieux si vous mangez ce fruit. Eh bien, nous sommes capables de dire, il y a quelques petits points nous capables de tirer comme sagesse à travers le péché originel là, Adam et Ève qui tombent, frère Maxime. Eh bien, vraiment, je l'ouvris. Mais leurs yeux l'ouvris, ils viennent ouais, pas comme des dieux vraiment. Leurs yeux l'ouvris, ils viennent ouais, ça, Satan de dire, c'est pas ça vraiment. Ils auraient été moun, humains, c'est-à-dire marqués désormais par le péché. Ils viennent remarquer qui ça, ils viennent remarquer que ils étaient nus corps. Eh bien, pile fois, frère Maxime, il y a une plus grosse tentation les hommes gagnent, c'est prendre place pour Dieu. C'est empêcher bon Dieu, suspendre bon Dieu dans la vie, pour nous capables de prendre nous-mêmes, connaître la vie, pour nous capables de faire ça nous voulons.
Liberté, bon Dieu, ben nous, c'est pas pour nous faire ça, nous voulons. C'est juste pour nous capables de faire ça, bon Dieu, mandé nous. Eh bien, je dis, on a vécu un monde qui a une tentation pour vivre, bon Dieu. En plus, le bagage a passé. Seulement mentionné, effort, la science a fait, je dis, avec décision qu'elle prend. Il y a ça, pour le moment, ce qui occupe plusieurs débats, PMA, procréation médicalement assistée. Eh bien, c'est droit au bail pour tout le monde qui décide qu'on y a. Longtemps, c'est le monde qui a un problème de donner une possibilité ça pour qu'ils soient capables d'aider, pour qu'ils capables faire petit. Mais qu'on y a désormais, même si c'est fille avec fille, y a une fille qui décide et pratiquement pas une relation avec garçon, elle est capable de faire petit. Elle a même choisi si son petit fils, si son petit garçon. Voilà. Où est-ce que nous allons? C'est cette volonté de puissance, la tentation de prendre la place de Dieu. Mais ça mène nous loin. Alors que c'est vrai que ça peut faire du bien à certaines personnes, mais arriver à ce point, c'est questionnable. Eh bien, frère Marcus Samuel, devant qualité faute ça, eh bien, nous avons dit, Félix culpa, heureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur. Parce que péché avec Adam, avec Ève, vient défigurer nous, vient faire perdre la grâce, nous dégainer, mais bon Dieu, même le a, tu as cherché une occasion pour être capable de faire nos délivrances là. Eh bien, c'est dans Jésus-Christ tout bon vrai, nous pouvons jouer une qualité de délivrance que bon Dieu t'a voulu pour nous depuis le commencement du monde. Ça. Et Jésus lui-même, il n'est pas épargné par la tentation du diable. L'Esprit a fini de conduire au désert après son baptême. Il finit de passer 40 jours à la prière, 40 jours de jeûne. Eh bien, le tentateur t'apprend décidé à le tenter pour le capable offrir ça lui-même lui gagner comme bon Dieu. Jésus, c'est bon Dieu. C'est parole éternelle du Père. Avec lui-même, bon Dieu crée toute bagaille. Pour qui ça? Satan dit que bon, voilà, mais ça va gagner. Ciel l'acteur avec tout ça qu'il a donné, c'est pour bon Dieu lié. C'est pas au Jésus, bon Dieu t'a créé toute bagaille. Eh bien, frère Maxime, en pile foi, le désir que nous portons pour les biens de ce monde, qu'on fait oublier tête nous, qu'on fait oublier si c'est petit bon Dieu nous est, si c'est héritier du royaume ciel là que nous y est. Alors, en tant qu'héritier, pas manquer nous rien, bon Dieu supposé le bien suprême. Eh bien, trois tentations, ça y est, frère Maxime. Il renvoie nous à trois tentations, peuple Israël là, t'es gagné, et puis il t'est tombé là-dedans. Il référé à des textes de la Genèse et de l'Exode et du Deutéronome. Eh bien, première tentation, hein, nous sommes capables de dire, aller ensemble avec peuple là. Peuple là qui t'a dit, bon Dieu, moins grand goût. Satan dit, bon voilà, si vous voulez m'appeler roche, ça retourne paix. C'est parce que justement, peuple là, t'es grand goût. Il t'a dit, bon voilà, nous quittons l'Égypte, nous ne sommes pas capables de manger qu'on y est là. Eh bien, bon Dieu, t'a fait la manne sortir de ton binaciel là. Mais Satan va l'utiliser ça. Il dit, bon, voilà, bon Dieu, il dit, moun pas vivre avec pain seulement, mais c'est de toute parole qui sortit dans la bouche, bon Dieu. Mais peuple là, t'es tombé dans ça. Eh bien, il y a une deuxième tentation. Dans le désert encore, le peuple a été exigé, bon Dieu, un prodige, parce que il était soif. Voilà, bon Dieu, pral bayo de l'eau, dans Meribah, dans Massa. Troisième tentation encore, li aller sous histoire peuple dans le désert. Lorsque Satan prend Jésus, li mène sous fétail, temple, pour dire, bon voilà, si vous mettez à genoux devant pied, m'abat tout ça, ou elle a comme richesse. Justement, le peuple a été tombé dans ça. Lorsque dans le désert, vous t'a pral adoré le veau d'or. Et bien, plus tard encore, vous pral adoré d'autres dieux. Et bien, le peuple dans le désert a été tenté au même titre que Adam et Ève dans le paradis. Mais le peuple n'a pas réussi à garder confiance dans le bon Dieu qui était retiré dans l'esclavage dans l'Égypte. Mais Jésus revive même tentation, ça y est, mais il gardait ferme dans la relation ensemble avec papa. Eh bien, Jésus triomphait côté peuple a été tombé. Jésus triomphait côté Adam avec Ève t'es cédé. Eh bien, frère Maxime, apôtre Paul parle dit nous, dans Adam c'est déjà
une préfiguration de celui qui doit venir. Eh bien, invitez-nous à comprendre que la somme de nos péchés ne peut jamais égaler la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire, il pourrait dire nous comme ça, mais là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. C'est-à-dire, nous n'avons pas besoin, frère Maxime, d'inquiéter pour péché nous, parce que miséricorde, bon Dieu, même si nous t'apprends, somme péché nous toutes qui existait sur la planète, ça, le pape Kajam, égaler un iota dans miséricorde, bon Dieu. Yon. Eh bien, invitation, premier dimanche là, c'est entrer dans l'esprit somme 50 là. David qui t'est fini faire péché, David qui t'est fini non seulement faire adultère avec Bathsabée, ensuite voyer tuer Maril, il pral avec aide prophète Nathan reconnaître que il fait un gros péché. Et il était sorti dans sentier battu. Il était besoin pour bon Dieu purifier, pour bon Dieu renouveler, pour bon Dieu bâillir l'autre la vie. C'est ça nos besoins, tout frère Maxime. Situation pays a fait que en pile fois nous vivons des situations de tristesse, des situations de désolation qui fait nous qu'on fait ça, nous pas doit faire, qui qu'on prend des décisions, nous pas doit prendre, qui qu'on fait nous vivre, gens nous pas doit vivre. Voilà, nous supposons entrer dans nous-mêmes pendant 40 jours ça. Pour nous capables de reconnaître nos pécheurs, reconnaître nos fautes noires, et pour nous demander bon Dieu pour le capable de bien pitié pour nous, pour le capable de nous possibilité pour nous capables d'apprendre dans le pays ça, qui ça s'arrête les réconciliations, qui ça s'arrête les remèdes, qui ça s'arrête les apprendre à souffrir avec l'autre. On nous fait tout pitié devant bon Dieu pour nous capables de demander chaque jour plus pour permettre de nous suivre comme commandement, pour le capable de faire nous vivre jeune idéal là, qui ne sait pas. Non, montrer une figure qui blasé, mais pour nous capables d'aider les frères qui sont dans une situation qui n'est pas bonne. Libérer ceux-là qui sont enchaînés, abattre et manger à ceux-là qui sont grand goût. Essayer de participer pour capable gagner un mieux-être. Et c'est comme ça seulement, nous sommes capables de vivre un bon carême. Pitié, Seigneur. Nous avons péché. Pitié, sœurs et frères, nous pouvons déclarer la foi nous dans bon Dieu ça, bon Dieu qui voulait sauver nous, bon Dieu qui a accompagné nous dans le moment désert nous, bon Dieu ça qui a invité nous à prendre chemin la conversion. Je crois en Dieu. Dans Jésus-Christ, son Fils unique. Sœurs et frères, disposons-nous à entrer dans un cœur à cœur avec notre Seigneur à l'approche des solennités pascales.
Nous allons le prier de façon plus pressante afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Après chaque intention, nous chanterons ensemble. Les dirigeants de notre Église, établis à travers le monde, le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres. Que le Seigneur les garde dans la prière pour aider les chrétiens à cheminer en ce temps de carême. Ensemble, prions le Seigneur. Dirigeant tout pays qui souffre terre, ak pou sila yo ki nan tèt peyi nou an Ayiti. N ap mande bon diye nan tan karem sa, pou li mete l'esprit pataj nan kè yo, kon sa yo va gen plis compassion pou pèp la, y ap dirije a ki soif, la pè ak sekirite. Grand mèt, koute vwa nou. Tout moun kap soufri, moun yo imilye, moun kap sibitra e la viya, espesyalman frè ak sen yo ki viktim, ba trembleman de tè nan peyi Latiki ak Siri. Se pou bon diye souteni yo, epi ede yo pase mouman difisil sa. Gran mèt, koute vwa nou. Le groupe Les Enfants de Jésus et de Marie qui célèbrent aujourd'hui leur 13e anniversaire de fondation. Que Dieu continue de les garder sous sa divine protection. Ensemble, prions le Seigneur. Pour notre communauté paroissiale, pour nous tous ici présents et tous ceux qui nous suivent grâce au génie de la technologie dont la RTA en fait partie, que Dieu nous garde en prière tout en nous éloignant de la tentation du mal. Ensemble, prions le Seigneur. Prions un instant nos intentions personnelles. Prions le Seigneur, Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun. Écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus le Christ notre Seigneur. Thank you.
Prions ensemble, sœurs et frères, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Alors que nous célébrons les débuts de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur, fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, en jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines. Il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges, nous chantons l'hymne de ta gloire. Et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. La donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude et rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi, nous annonçons ta mort. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Max le Roi et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts pour qui nous t'offrons ce sacrifice, les défunts de notre communauté paroissiale, les défunts de nos familles. Souviens-toi des personnes tuées dans l'insécurité en Haïti. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur Sœur Amala Vanitayan, célébrant sa 13e année de profession perpétuelle, qui se recommande à nos humbles prières, sur le peuple haïtien, sur nous qui sommes rassemblés ce matin, en ce premier dimanche de carême, et pour toutes les personnes qui sans cesse se recommandent à nos humbles prières, pour le groupe du Rosaire de Boston, la communauté catholique de Saint-Raphaël, de New Rochelle, qui se recommande à nos humbles prières, ainsi que la communauté chrétienne de Mont-Carmel de White Plains, qui se recommande à nos humbles prières. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous oublions souvent notre identité. Nous sommes fils et filles de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons appeler Dieu Père. Soyons conscients, conscientes de tout cela et adressons-nous comme des fils, des filles dignes à notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en péché, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je me lie tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Thank you.
Prions encore le Seigneur, restauré par le pain du ciel qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité. Nous t'en prions, Seigneur, apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Révérend Père, sœurs et frères, dans le Christ, bonjour. Que Maxime, bonjour. Qui j'en ouye. Ensemble, en nous marcher. Thème, non, c'est thème, tant carême, non. C'est sous thème ça, l'Église l'a invité, non, pour nous réfléchir, pour nous capables de préparer. Faites Pâques là. Ensemble, marcher avec Jésus. Ensemble, c'est pour nous marcher avec Jésus. Le nous marcher avec Jésus, nous avons besoin de force pour nous lutter contre tout ce qui est mal dans la vie. Non. Pour nous lutter contre le péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais, donc, gratis, bon Dieu, grand maître là, c'est la vie éternelle dans Jésus-Christ. Par un seul monde, le péché est venu sous terre. Et bien, c'est par un seul monde, eh bien, nous avons une grâce, nous avons une faveur, nous avons un pardon pour le péché. Nous disons merci au révérend Père Jean. Luc, hier, il y a trois apôtres dans nos lits. C'est Jean, Luc, hier. Et me dit mon père, un grand merci pour l'esprit de service, pour belle prédication, l'été portée pour nous. Mon père, merci pour ça, pour l'église là. Merci pour ça, pour bon Dieu. Merci pour ça, pour portion peuple bon Dieu, ya, qui n'a pas oué alta grâce dans Delma. C'est comme ça nous battons un petit bravo chiche pour yon père. Et gros sacrifice père a fait pour venir célébrer la messe 6 heures pour nous matin. Hein? Toutes 10 heures du soir, tête nous chaud. Parce que pas gagné assez père dans la communauté. Il y a un père qui est en déplacement, il y a un père qui va le célébrer l'autre côté. Et nous deux qui étaient, je dis dimanche là dans la communauté. Toutes 10 heures du soir, tête nous chaud. Mais à la dernière minute, mon père accepté malgré pile activité les gagnants l'accepter pour venir célébrer la foi nous avec nous. Père Jean-Luc Pierre, c'est un prêtre Sainte-Croix, c'est lui-même qui est secrétaire général de la communauté religieuse. Alors, c'est une autorité. Alors, mon père, excusez si je me dérange, une attribution, me dérange une autorité. Mais on va pardonner mon père. Nous disons, enfant de cœur, merci, qui t'es servi, mestla avec yo. Enfant de cœur, lisez bras droit, paya. Même si vous avez un autre paya qu'on célébre, c'est enfant de cœur qui bras droit, paya. Si paya, ça a été mal, ça a été mal tombé. C'est enfant de cœur qui a couru soutenir mon père. Alors, c'est vous, enfant de cœur. Merci, chers jeunes, pour ce que vous êtes pour l'église, pour ce que vous êtes pour la communauté. Nabdi. Chorale Sainte Famille. Chorale Sainte Famille, merci, qui sont animés. Belle célébration, la messe, non, premier dimanche, carême, non, pour non. Ils ont toujours bien fait. Je ne vais pas dire bien animé parce qu'ils ont toujours fait. C'est l'habitude pour bien animé. Ouais, pour un chant qui est approprié. Merci, frères et sœurs bien-aimés, pour ce que vous êtes pour nous dans la communauté. Oh! Si cal bravo ça nous va pour un choral qui bien animé. Merci. Merci aux actants liturgiques, la commentatrice, les lecteurs. Merci frères et sœurs bien-aimés. Merci à actants tous musiciens non yo, tambourineurs non. Merci à keyboardiste non, l'infatigable maestro David. On nous dit yo, un gros merci. Nous disons merci à tout le monde du comité accueil, comité quête. Merci à jeunes noyo qui sont Alta Force, qui dévoué dans service paroisse là. Eux même qui aider nous dans sécuriser tout environnement paroisse là. Alors c'est pas travail à travail, c'est coup de main à bail, c'est service y apprendre. Ces jeunes dans paroisse là, yo mettez yo dans service paroisse là.
Merci, chers jeunes, pour ce que vous êtes pour la communauté, pour ce que vous êtes pour nous. Merci à tout ministre extraordinaire de l'Eucharistie qui était de nous distribuer le corps du Christ aux fidèles. Merci à religieuses. Merci à toutes religieuses, toutes religieuses qui sont paroisse là, qui ont collaboré avec nous. Merci à tous les techniciens, caméramen nous, qui te permettent, moun qui l'autre côté, sur toute surface terre, participer dans la belle célébration de la messe noire à travers les réseaux sociaux, YouTube et Facebook, par le canal de la radio télé Alta Grâce. Merci à Frère Maestro Paul, technicien son nom. Merci à quand tout fidèle auditeur et auditrice radio télé Alta Grâce qui a participé dans la célébration la messe là à travers les réseaux sociaux. Et je me dis tout merci. Merci à nous toutes et à nous chaque. Merci à tout le monde à la Ronde-Bade qui est venu participer dans la belle célébration la messe noire. Tant qu'à Rémenant, c'est temps l'église là ben non, pour nous vivre dans l'abnégation, pour nous faire un pile sacrifice. Sacrifice pour nous capables de rester dans la volonté, bon Dieu. Sacrifice pour nous capables de marcher avec Jésus. C'est temps l'église là invité nous pour nous faire un désert dans la vie non. J'en ouais, il symbolise lui tout près l'hôtel là. Faut que nous cherchions faire un désert dans la vie non pour nous capables soif bon Dieu, pour nous chercher bon Dieu. Chercher le Seigneur pour le trouver et le chercher encore parce que c'est chaque instant dans la vie non pour nous chercher bon Dieu. Bon Dieu pas quitter au joindre un seul coup ou un pape ou prendre mettre dans poche ou d'adurer ou bailler mon petit cal bon Dieu tant qu'il le bailler mon petit morceau pain. Alors on nous chercher bon Dieu parce que dans la situation n'a vivre dans le pays d'Haïti, eh bien, c'est seule force, bon Dieu, qui permet de nous résister. Nous avons gagné la messe dans la paroisse là, à 6 heures. C'est la messe là qui va finir tout à l'heure. Nous avons gagné la messe dans la paroisse là à 8 heures, à 10 heures et à 4 heures dans l'après-midi. Dans la messe 10 heures, les membres du groupe, les enfants de Jésus et de Marie, vous invite à venir célébrer avec eux leur 13e anniversaire de fondation. Chaque jour du lundi au samedi, il y a une messe dans la paroisse là, il y a trois messes, il y a une messe à 6h, une messe à 7h et une messe à midi. Il y a une journée de jeûne, de prière et de louange chaque samedi dans la paroisse là. Vendredi 3 mars, a gagné messe à 6h, à 7h et à midi. À 4h, a gagné chemin de la croix. N'attendons pour nous venir suivre Jésus sur chemin de la croix, qui est chemin de délivrance. Non. Samedi 4 mars, a gagné journée de louange et de prière. Messe à 6h, à 7h et à midi, plus adoration du très saint sacrement. Et à 4 heures, a bien messe dans la chapelle Padre Pio. Dimanche 5 mars, c'est le 5e dimanche carême dans l'année liturgique A. A bien messe à 6 heures, à 8 heures, à 10 heures et à 4 heures dans l'après-midi. Du 10 au 18 mars, c'est le 9h à Saint-Joseph. Même Jean-Noël, Saint-Joseph, campé bon côté la Vierge Marie, dans l'icône Alta Grâce là, dans l'église là. C'est comme ça, Saint-Joseph a campé bon côté nous chaque qui là pour la prière pour nous. Nous venons la fête dans l'église là, avec sur radio télé Alta Grâce. Invitez famille nous, amis nous, pour vous recommander la messe. Invitez vous pour vous capable participer. Sans professionnel Notre-Dame d'Alta Grâce fait nous connaître, yo ouvrir porte pour recevoir inscription dans discipline sa yo informatique, infographie, vidéographie, montage vidéo, cuisine et pâtisserie, a gagné garnishing, décoration événementielle, auto-école pour nous citer ça yo seulement.
pas quitter jeune nous yo grandi sans yo pas gagner un métier manuel. Ça arrive au gain plusieurs ou gain plusieurs diplômes ou gain plusieurs doctorats non mais alors que gain doit c'est un métier manuel qui faut gagner pain quotidien. C'est vrai que nous pour aller n'a quitter pays n'a parti mais au moins si vous avez un métier manuel non mais on côté au praler à ou capable gagner pain quotidien avec lui. N'a tant toute jeune nous yo pour yo vinn inscrit dans centre professionnel Notre-Dame d'Alta Grâce. On souhaite nous passer un bon dimanche et une bonne semaine sous protection bon Dieu grand maître là et protection maman non la Vierge Marie Notre-Dame d'Alta Grâce. Sommes avec Frémio. Je vais vous allonger la célébration. Je vais juste prendre le temps pour me dire juste deux mots. D'abord, je ne suis pas capable de dire non à maman parce que maman a dit oui à bon Dieu. Dans mes temps de responsabilité, je me suis fait une rencontre et puis, Père Séraphin de Guilhem, heureusement, je n'ai pas gagné l'autre engagement, c'est-à-dire. Maman Alta Grâce, c'est vrai que je célèbre avec nous. Et moi-même, je suis dans la paroisse Notre-Dame d'Alta Grâce au Cap-Haïtien. C'est-à-dire, il fallait que je vienne célébrer avec vous ce matin. Ensuite, c'est vrai que non complet, c'est une réunion d'apôtres et d'évangélistes. Et, mais au chita en façon, il y a un pile, c'est vrai, c'est Luc, Franck, Jean-Pierre. Même pas un problème, il y aurait Jean-Luc, etc. Mais le nom complet, c'est Luc Franck, et puis la signature, c'est Jean-Pierre, et ce secrétaire provincial, congrégation de Sainte-Croix en Haïti. Merci, Père Séraphin, parce que vous avez invité nous, et puis on a continué la prière pour bon Dieu soutenir nous dans le chemin, et merci pour le bel travail, on a fait par bon site. Toute équipe là, ou même Anaël, promotion, ensemble avec. Et Père Curé, Monseigneur, avec Père Dorange, je vais demander pour vous battre un bel bravo pour tout le chaque travail à faire. Eh bien, maintenant, sœurs et frères, je vous prie de bien vouloir vous lever et de vous incliner pour recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. À vous tous, à vous toutes, je souhaite un bon temps de carême, un bon temps de désert. Merci.